qui est à cause de bagay ça. Ok, et dans la répétition, il n'y a pas de bail des signes de grande fatigue. Non, non, non. Non, pas de ça. Très bien. Et puis. Quand je sais, moi qui représente Mika, le Tilounel, pas là. Donc, il me fait boucler avec. Donc, nous toujours avec. Si c'était un malaise, d'après ça. Très bien. Mika, tu es dans l'état normal. Très bien. Puisque vous toujours avec, Fito, est-ce que dans un passé plutôt. Pas lointain, est-ce que tu as dit la qui a fait mal, il sentit pas bien, il sentit est-ce que tu as gagné comme ça? Non. Non, non, moi alors ma belle en pile de la fait musique et bagadou m'avait lassé pour me connaître si tu as gagné ou bagaille parce que et Mikaël était un pas connu et donc moi si pour son métier ma vie à caille donc c'est sauf si de gombo qui nous croise même le fait pour qu'il boit ici pour les tilonel pas là c'est mis comme vous et quand elle peut aller avec ou assistant ou bien quand des fois aller pour qu'on dit les tilonel pas là donc et t'as moi fait avec la page on connaît ni au courant que le bien très bien. Et il était tombé, il était pris en charge médicalement et pas gagné, t'es qu'à fait là pour te même essayer de souffrir. Ça veut dire son bac était foudroyant, qui pas médecin aucune chance. Par exemple, Fabien, un bac à trop élaboré, mais seul bac à d'autres bagages qui fait sur place. Et bon, ici, à Bayou, fait au point de gens, ils ont été équipés. Et puis on fait quelque que ce soit sur la route, donc tout le bagage on fait sur place et on fait une heure sur lui avant d'arriver et décider que le bagage ferait encore. Donc il était là pendant tout le moment. Donc je crois que il fait tout le bagage possible. Très bien. On va le passer au Timette qui est là avec nous avec l'hiver et Jamina qui a des questions pour vous. Mais comment musicien Karimi Oye après bagay ça? Bon, nous j'en difficile parce que et le musicien était très émotionnel et il était déjà bloqué, c'était déjà pour parler quoi alors il mettait des rideaux, il était une équipe qui vient et qui a entouré Mika et puis il mettait des rideaux parce que c'est sous cette jalie et on connaît tout les chiasios, monde qui allait, monde qui la public à Kawes, c'est déjà. Donc, tu es obligé de mettre les gens campés et puis on mettait des rideaux pour barrer, quoi, pour ne pas garder. Ça y a fait, y a, mais seul monde qui était dans, après ça y a évacué les zones, non? Seul monde qui était dans la zone, c'est musicien qui était sous cette jalie même, comme d'autres. Et puis, le monde était très émotionnel, donc. Toujours difficile parce que qu'on est trois canadiens au parti à terre donc, et c'est un exorti notre bois et puis à l'aéroport donc c'est moi-même Carlo Richard Michael la famille Michael madame Richard moi-même qui là qui était bon, donc tout mon émotionnel par les monde qui dormit et mais sont dormis pour pas gagner une heure ouais. Madame, on est supposé partir aujourd'hui à l'échange de vol libre. Donc, on a des bagages pour régler et pour famille. Donc, et par exemple, il y a un côté qu'on y a pour autre travail. Donc, on a un peu de pas je me suis dit, tout 25 ans, beaucoup de gens me sont crier. Donc, c'est la première fois. Donc, on a pas de bon même. On a un peu pas comment ça passe. Donc, alors non, son bail qui était très difficile pour sortir de long mouvement de contentement et de moment tragique. C'est pas parce que au milieu. Ouais, donc. So, alors non. Et tu mets une question. Fito, salut aux femmes. Et bon, et. Ouais, non, là, bon, malheureusement, c'est comme ça que je vais parler maintenant, mais hier soir, nous avons commencé à parler de ce que nous avons.
mais malheureusement et pour ça qui ne passe à venir fait que nous pas parler de Kaimi. On connaît que Mika a payé Mika avec monsieur depuis en fait dès le début, dès le commencement, et Mika avec et monsieur et pour réunion, et on connaît grand pile l'autre artiste qu'on t'a invité, et malheureusement ça pas fait, mais Mika est ensemble avec nous, mais quoi, Mika une semaine avec nous et l'autre bois dans la répétition, pas vrai? Oui, Mika une semaine. Alors tout le monde rentré, toute équipe là, est rentré depuis la dimanche. Et même le jour du match que nous rentrons, nous avons commencé la production de répétition. Donc, de dimanche à jeudi, nous faisons journée à la répétition, qui veut dire, depuis à 10h dans la salle de répétition, jusqu'à 8h, 9h du soir. Salle là, il y a cuisine, tout bagaille. Donc, nous allons manger, nous camper pour un break. Donc, nous faisons un pile temps ensemble dans la semaine. Donc, bon, donc, alors qu'il y a un signe qui a dit que j'ai un problème. D'ailleurs, il est toujours là pour quitter le vide. Oui, si. Par rapport à lui, si tu es suspect, il y a quel bagaille qui était mal à l'aise. Donc, et il y a un état normal. Farine, dans quel moment nous juger, nous estimer nécessaire que nous devons camper concernant, parce que Jean Timet se dit là, et on considère de telle envergure camper, c'est parce que là nous remarquons que Kali commence grave et li hors de contrôle. Dans quel moment nous estimer qu'il était important pour nous camper et performance? Question ça pas qu'à vraiment répondre, parce que depuis le Mika tombé, mais avec Mika, donc tout ça que fait au dehors de Mika, je ne connais pas. Je ne connais pas qui est le qui est au-dessus de Mika, qui est au je ne connais rien, mais juste que tu es avec moi. Donc, je suis avec mon docteur qui a fait ça, qui peut le faire. Mon cher Fito, courage, comme ou dit que tu as gagné mon famille au nom de Magic 9, Télé 20, Napé, transmettre condoléances à toute famille. Il y a toute famille Karimi en tout qui était là, parce que Mika, Karimi, c'était poisson crasé dans bouillon. Et donc, nous voyons comment ça a fait, c'est apprendre avec quoi là, côté AP. Les trois bonheurs pour nous comme ça. Non, dit toi, et on connaît, et pas qu'à faire. Oui, c'est famille, c'est famille. Mais moi, en contact avec famille, et on parle avec presque chaque 30 minutes à une temps, donc, et pour me faire une information qui est pas moi. Ouais, donc, c'est la natal. Et nous-mêmes, d'après de là, avec nous, on sait que, la majorité, ou, Mike, et Mika Benzina Karimi, fait. Oui. Ouais, majorité, grande prestation. Mouge n'a pas, j'aime t'en aimer qu'à pour 2-3 mois. Et, il va gagner, pour monter sur scène, c'est son grand scène, il monte toujours à l'académie. Ouais, c'est toujours vous-même qui le veut. On commence à nous qui vient avec le doc. Bagay ça frappe nous fort, on commence. Et frappe famille, donc, bon, c'est pas un homme, c'est un homme qui est là. C'est ça, qui est là. Kembela et très bien. Un peu le courage et puis à très bientôt. Donc, pas vraiment de quel signe. Ni monsieur Patrick me dit que c'était un problème. Donc, et pas quoi que c'était un pressentiment ou bien un problème avant qui t'a cause et bagarre ça. Donc, ok, et dans la répétition, tout, il n'y a pas de bail des signes de grande fatigue. Non, pas bien ça. Très bien. Et puis. Donc, je sais, moi qui représente Mika, le Tilounel, pas là. Donc, okay. Il me fait booking avec. Donc, nous toujours avec le site. C'était un malaise d'après ça. Ouais. Très Mika, bien. Mika, t'es dans l'état normal. Ouais. Très donc, bien. Puisque vous toujours avec le Fito, est-ce que dans un passé plutôt. Pas lointain, est-ce que tu as dit que tu as fait mal, il sentit pas bien, il sentit. Est-ce que tu as fait mal comme ça? Non. Non, moi, alors, Marvel,
en pile de la fait musique mais et bagadou m'avait lassé pour me connaître le gay ou bagaille parce que et Mikaël était un pas connu et donc moi si pour son métier ma vie à caille donc c'est sauf si de bon bouquin nous croiser même le fait bouquin pour ici pour les titulaires pas là c'est mis comme vous et quand elle peut aller avec ou assistant ou bien quand des fois aller pour quoi dire tu ne pas caler d'autres et c'est moi même moi fait avec la page je me connais ni au courant que le gars très bien et il était tombé il était pris en charge médicalement et pas gagné t'es qu'à fait là pour te même essayer souffrir ça veut dire son bar qui était foudroyant qui pas de médecin aucune chance pas ma famille n'a pas trop élaboré mais seulement cadeau tout bagage qui fait sur place et bon ici à Bayo fait tout quoi gens ils ont été équipés et puis on fait que ce soit sur la route donc tout le bagage on fait sur place et on fait une heure souris avant d'arriver et décider qu'on va pas faire encore donc il était là pendant tout le moment donc et je crois que il fait tout le bagage possible très bien et on va passer au Timet qui est là avec nous avec l'hiver et Jamina qui a des questions pour vous mais comment musicien Karimi oyé après bagaille ça bon nous j'ai difficile parce que et que musicien était très émotionnel et il était on dit j'ai bloqué c'était déjà pour pas quoi alors je mettais des rideaux j'étais qui une équipe qui vient et qui a touré Mika et puis je mettais des rideaux parce que c'est sous c'était déjà dit et on connaît tout toutes les situations, monde qui allait, monde qui la public à Carouest déjà. Donc tu obligé de mettre monde campé et puis on mettait des rideaux pour barrer quoi, pour monde pas garder. Ça y a fait, mais seul monde qui était dans, après ça y a évacué les zones. Non? Seul monde qui était dans la zone, c'est les musiciens qui étaient sous cette déjà même. Comment donc? Après le monde était très émotionnel. Donc c'est toujours difficile parce que qu'on est trois canamusiciens au parti à terre et c'est un exorci notre bois et puis à l'aéroport donc c'est moi-même Carlo Richard Michael Sammy Michael Madame Richard moi-même qui là qui était donc tout mon émotionnel par les monde qui dormi et mais sont dormi pour pas gagner une heure ouais. Madame, on est supposé partir aujourd'hui à l'échange de vol libre. Donc, on va nous débarquer pour régler pour famille. Donc, et par exemple, il y a là qu'un côté pour nous, pour autre ça va. Donc, on se met à émotionner. Pas jamais riche à émotionner. On est tout 25 ans, on est beaucoup jamais riche à crier. On est c'est la première fois. On est au calo, pas de bon même. On est au calo, je ne sais pas comment ça passe là. Donc, alors non, c'est un bail qui est très difficile. Vous sortez de long mouvement de contentement et de moment tragique. N'est-ce pas parce que au milieu, ouais. Donc, alors non. Et tu mets une question. Fais-toi, m'absalue, frère. Et bon, et ouais, non là. Bon, malheureusement c'est comme ça on va parler maintenant mais hier soir et nous t'ai commencé à parler dans c'est content on était mais malheureusement et pour ça qui ne passe à vienne fait que nous pas parler de Karimi on est que Mika avec monsieur depuis en fait dès le commencement et Mika avec et monsieur et pour réunion et on est grand pilote artiste que nous avons invité et malheureusement ça pas de fait mais Mika est ensemble avec nous mais quoi Mika une semaine avec nous et l'autre bois dans répétition pas vrai oui Mika une semaine alors tout le monde rentré toute équipe là est rentré depuis la dimanche et même le jour dimanche que nous rentrions, nous avons commencé production répétition. Donc, de dimanche à jeudi,
nous faisons journée à répéter, qui veut dire, depuis à 10 heures dans la salle de répétition, jusqu'à 8 heures, 9 heures du soir. Salle là, gagne, cuisine, tout bagaille. Donc, nous allons manger, nous camper pour ouvrir. Donc, nous faisons un pile temps ensemble la semaine, là, donc. Bon, donc, alors qu'il y a une signe qui t'a dit, donc, monsieur, tu comprends. D'ailleurs, et si l'on n'est pas quitté le vini, oui, si. Par rapport à lui, s'il était suspect, il y a quel bagaille qui était mal à l'aise, donc. Et Mikatelin est à l'oral. Et Farine, dans quel moment nous juger, nous estimer nécessaire que nous devons camper concernant, parce que Jean Timet se dit là, et on considère de telle envergure, camper, c'est parce que là, nous remarquons que Kali commence grave et il est hors de contrôle. Dans quel moment nous estimer, il était important pour nous camper et performance. Question ça pas qu'à vraiment répondre parce que depuis le Mika tombé, mais avec Mika, donc tout ça que fait au dehors de Mika, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est le campé, qui est au-dessus de Mika, qui est le. Je ne sais pas rien, je suis juste que tu es avec moi. Donc, je suis avec mon docteur qui a fait ça, qui peut faire. Mon cher Fito, courage, comme vous dites que tu as gagné un famille au nom de Magic 9, Télé 20, NAP, transmettre condoléances à toute famille. Il y a toute famille Karimi en tout qui était là, parce que Mika, Karimi, c'était poisson crasé dans bouillon. Et donc nous voyons comment ça a fait, c'est apprendre avec Cola, côté AP. L'étoile bonheur pour nous comme ça. Non, Lito, et on connaît. Et bah, c'est famille, c'est famille. Mais moi, en contact avec famille, et on parle avec eux presque chaque 30 minutes à une temps, donc, et pour me faire une information qui est pas moi. Ouais, donc, c'est la natan. Et nous-mêmes, d'après là avec nous, songez que, la majorité, ou, Mike, et Mika Benzina Karim, il fait. Ouais. Ouais, majorité, grande prestation. Mouguin n'a pas, j'aime t'aider Mika pour 2-3 mois. Et, bah, Kaye, il va gagner que, pour monter sur scène, c'est son grand scène, il monte toujours à Karimi. Ouais, c'est toujours nous-mêmes qui le veulent. On commence à nous qui viennent avec le doc. Bah, Kaye, ça a frappé nous fort, on commence. Et frappé Fonia, donc, bon, et c'est bah, Nam, c'est Nam qui est là. C'est ça, qui est là. Kembe là et très bien. Un peu le courage et puis à très bientôt. Donc, pas vraiment que tu aies quel signe. Ni monsieur pas me dit que il était un problème. Donc, et pas quoi que tu aies un pressentiment ou que tu aies un problème avant qui t'a cause et bagay ça. Ok, et dans la répétition, tout, il n'y a pas de bail des signes de grande fatigue. Non, pas bien ça. Très bien. Et puis. Je sais, moi qui représente Mika, le Tilonel pas là. Donc, il me fait boucler avec. Donc, nous toujours avec le site. Si tu es un malaise, d'après ça. Ouais. Mika, tu es dans l'état normal. Très bien. Puisque vous toujours avec le Fito, est-ce que dans un passé plutôt. Et pas lointain, est-ce que tu as dit que tu as fait mal, il sentit pas bien, il sentit. Est-ce que tu as fait mal comme ça? Non. Non, moi. Alors, Marvel, en pile, il a fait musique, mais. Et Bagado, tu as fait assez pour me connaître si tu as ou bagay, parce que. Et Mikaël, tu n'as pas connu. Et donc, moi, c'est pour ça que je ma vie à Kaye. Donc, c'est ça aussi de bon bout qui nous croise. Même le fait pour qu'il boit ici. Pour les Tilonel Bala, c'est Mika, moi, vous voyez, quand elle peut aller avec mon assistant, ou bien quand des fois aller pour qu'on dise les Tilonel Bala. Et c'est moi-même, moi, fait avec là, je me connais, ni au courant que je très bien.
Et il était tombé, il était pris en charge médicalement et pas gagné de ca fait là pour te même essayer souffrir. Ça veut dire son bas qui était foudroyant, qui pas de médecin aucune chance. Paris va faire bien un bac à trop élaboré, mais seul bas d'autres bagages qui fait sur place. Et bon ici à Bayo fait au moins de gens ils ont été équipés. Et puis on fait quelque chose que ce soit sur la route, donc tout le bagage on fait sur place et on fait une heure sur lui avant d'arriver et décider qu'on ne va pas faire encore. Donc il était là pendant tout le moment. Donc et on croit que il fait tout le bagage possible. Très bien. Et on va le passer au Timet qui est là avec nous avec l'hiver et Jamina qui a des questions pour vous. Mais comment musicien Karimi yé après bagay ça? Bon, nous j'en difficile parce que et musicien était très émotionnel et il était déjà bloqué stage. Mm-hmm. Et pour quoi alors il mettait des rideaux, il était une équipe qui vient et qui entourait Mika et puis il mettait des rideaux parce que c'est sous cette jalie et on connaît tout les situations, les gens qui allaient, les gens qui ont publié à Kawes, c'est déjà. Donc, tu es obligé de mettre les gens campés et puis on mettait des rideaux pour barrer quoi, pour les gens ne pas regarder. Ça y a fait, mais seul les gens qui étaient dans, après ça, ils ont évacué les zones. Seul les gens qui étaient dans la zone, c'est les musiciens qui étaient sous cette jalie même. Comment donc? Et puis, les gens étaient extrêmement émotionnels. Donc, c'est toujours difficile parce que qu'on est trois canadiens au parti à terre donc, et c'est un exorciste de bois et puis à l'aéroport donc c'est moi-même Carlo Richard Michael la famille Michael Madame Richard moi-même qui là qui était donc tout mon émotionnel par les gens qui dormi et mais sont dormi pour pas gagner une heure ouais. Madame dit souvent c'est parti aujourd'hui à décharger vol libre donc on a des bagages pour régler pour famille donc et par exemple à la tête côté cognac tout autre ça va donc on se bat pour soutenir pas je me suis pour soutenir ouais tout je ne sais comme j'ai dit beaucoup je me suis crié on donc c'est la première fois on le calme pas de bon même on calme je sais pas comment ça passe là donc alors non, c'est un bail qui est très difficile pour sortir de long mouvement de contentement et de mouvement tragique. C'est pas parce que au milieu. Ouais, donc. Alors non. Et tu mets une question? Fito, je salue au frère. Et bon, et. Ouais, non, là, bon, malheureusement, c'est qu'on s'en va parler maintenant, mais hier soir, nous avons commencé à parler dans DCC, c'est content qu'on était. Mais malheureusement, et pour ça vient de passer, ça vient de faire que nous n'avons pas parlé de Karimia. Je pense que Mika avec monsieur depuis, en fait, dès le début, dès le commencement, et Mika avec et monsieur. Et pour réunion, et je connais grand pile l'autre artiste que nous avons invité, et malheureusement, ça n'a pas de fait, mais Mika est ensemble avec nous. Mais, quoi, Mika a une semaine avec nous, et l'autre bois dans la répétition. Pas vrai? Oui, Mika a une semaine. Alors, tout le monde est rentré, toute équipe là, est rentrée depuis la dimanche. Et même le jour dimanche que nous rentrions, nous avons commencé production répétition. Donc, de dimanche à jeudi, nous faisons journée à répéter, qui veut dire, depuis à 10h dans la salle de répétition, jusqu'à 8h, 9h du soir. Salle là, il y a cuisine, tout le bagaille. Donc, nous allons manger, nous camper pour un break. Donc, nous faisons un pile temps ensemble la semaine. Là, donc, donc, pendant qu'il y a un signe qui t'a dit que monsieur, tu comprends bien. D'ailleurs, il est tiré par la petite Elvini. Oui, si. Par la part, s'il était suspect, il y a un bagage qui était mal à l'aise. Donc, et Mika était normal.
Farine, dans quel moment nous juger, nous estimer nécessaire que nous devons camper concernant, parce que Jean-Timet Sodzilla et on concerne de telle envergure camper, c'est parce que là nous remarquons que car il commence grave et il est hors de contrôle. Dans quel moment nous estimer qu'il était important pour nous camper et performance? Question ça pas qu'à vraiment répondre parce que depuis le Mika tombé mais avec Mika donc tout ça que fait au dehors de Mika m'a connu m'a connu qu'il est le campé qu'il est au public à aller qu'il est voilà ou on pas connu rien mais juste que tu es avec ouais donc il m'a fait qui et mon les docteurs qui a cap fait ça qui peut faire. Mon cher Fito, courage, et comme vous dites que tu as gagné mon famille au nom de Magic 9, Télé 20, Napé, transmettre condoléances à toute famille, hein, et à toute famille Karimi en tout qui était là, parce que Mika, Karimi, c'était poisson crasé dans le bouillon. Et donc nous voulons ça à faire, c'est apprendre avec quoi là, côté à paix, les trois bonheurs pour nous comme ça. No.